Hi everybody and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease and illness that are all shaped by our socio-cultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different socio-cultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in our Western secular environment. Mon nom est Ildi Koneplas, je suis ostéopathe installée à Bayonne. J'ai le grand plaisir et l'honneur d'animer ce soir ce podcast sur BMS, Body, Mind, Spirit, qui offre pour le futur de l'ostéopathie un nouveau support, une nouvelle vision portée par Raphaël Zegara-Parodi et une équipe de chercheurs scientifiques. En effet, BMS a publié récemment un article dans PubMed mettant en exergue un éclairage de notre art par l'anthropologie médicale, ce qui est tout à fait inédit dans la profession et qui s'appuie sur l'héritage des principes historiques ostéopathiques, mais aussi ceux des médecines traditionnelles corrélés aux données actuelles de la science. Body, Mind, Spirit fait certes partie des principes ostéopathiques déjà formulés, mais porte là son attention sur la prise en compte des héritages culturels de chaque patient, de ses représentations, la façon dont il perçoit et vit ou vit la maladie et ce qu'est pour lui la santé. On touche là évidemment à la singularité de chaque patient, de chaque personne, qui permet de mieux répondre à ses attentes en matière de soins. BMS vient de fêter ses quatre ans d'existence, mais pour tout vous dire, et bien que je connaisse Raphaël depuis de longues années, j'ai découvert BMS il y a seulement un an. Et je peux imaginer que vous-même qui écoutez ce podcast, vous puissiez aussi vous poser des questions. Alors, le plus simple pour moi, c'est de m'entretenir avec quatre de ses membres pour que tour à tour, ils vous expliquent qui ils sont dans leur vie professionnelle, voire personnelle, ce qu'est BMS pour eux, ce que BMS apporte à l'ostéopathie et ce qui les anime au fond, au quotidien, pour soutenir ce team. J'invite donc d'abord Damien Hébrard, puis ensuite Paul Ancry, puis Ronald Ellis, et enfin Raphaël Avanosian, pour qu'ils m'expliquent et qu'ils répondent à mes petites questions, en s'attardant à une des questions qu'ils auraient en préférence à développer. Alors Damien, c'est à toi. Bonjour Ildiko, bonjour Paul, bonjour Raphaël, bonjour Ronald. Je suis super content d'être là avec vous ce soir. Alors, je suis tout ouïe, j'attends tes questions avec impatience. Donc, je voulais savoir quel était ton parcours professionnel, de quelle école tu sors et qu'est-ce que tu fais professionnellement à l'heure actuelle. Eh bien, très bien. Moi, je suis sorti de l'école du CESO Paris. Je crois qu'il y en a quelques-uns ce soir avec nous. J'ai été diplômé en 2012, donc 11 ans maintenant. C'est passé en un éclair. Je n'ai pas vu le temps passer. Et j'ai connu Raphaël d'ailleurs via ce cursus-là, puisqu'il était enseignant au CESO. J'ai aussi croisé Raphaël et Paul dans les couloirs de l'école, puisqu'on était étudiants ensemble à des années différentes. Et quand je l'ai croisé, en fait, Raphaël Zegara, il enseignait plusieurs choses. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué dans cet enseignement, ça a été l'ouverture à l'esprit critique et à l'esprit scientifique. Et ça m'a tout de suite assez chamboulé, je dois le dire. Et il a ses techniques bien à lui aussi hein, pour créer de la réflexion de manière assez bouleversante. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu connu un peu tout le monde à cette occasion-là. Ensuite, en 2012, une fois que j'ai été diplômé, j'ai fait quelques formations complémentaires. J'en ai fait pas mal quand même. Je continue à en faire quand même assez régulièrement. J'essaie d'en faire 3 ou 4 par an.
sur plein de domaines différents. Et je me suis quand même, au fur et à mesure, spécialisé dans les prises en charge de sportifs, puisque je me suis occupé pendant 10 ans de plusieurs équipes de rugby. J'ai aussi côtoyé quelques sportifs professionnels et puis en devenir dans plein de sports un peu différents et un peu étranges, comme le crossfit, comme le kitesurf, comme le parapente. Et puis quelques préparations au marathon et à divers triathlons. Donc voilà, la pratique a fait que je me suis un peu spécialisé là-dedans. Voilà pour le dire. Et maintenant, il me semble que tu as eu aussi un parcours dans des pays étrangers. Et c'est ce qui peut être intéressant justement sur le plan culturel de cet entretien. Oui, effectivement. Alors moi, je suis né en Amérique du Sud. Je suis né au Paraguay. Donc c'est en plein centre de l'Amérique du Sud. C'est un pays pas très très connu. Et puis j'ai alterné plusieurs années de vie entre là-bas et la France, puisque ma mère est du Paraguay, mon père est français. Et puis on a eu l'occasion de vivre aussi un peu au Moyen-Orient, au Qatar. Maintenant tout le monde connaît un peu le Qatar de par son rayonnement, on va dire culturel et puis sportif. Mais on y était à une période avant tout ça, donc c'était le Qatar un peu moins connu. On y a vécu quelques années, on a vécu 3-4 ans en famille. Donc j'ai pu vivre dans différents pays avec des cultures très différentes. J'ai été imprégné forcément de la culture d'Amérique du Sud, puisque ma mère étant de là-bas, j'ai été bercé de cette culture-là. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Et en même temps, j'ai suivi tout mon cursus dans les lycées français. Donc pareil, j'ai quand même un bagage culturel plutôt finalement français, francophone et occidental. Et puis, avec ce mélange de cultures-là, ça m'a permis de découvrir des visions du monde assez différentes, des valeurs aussi qui sont très, très différentes entre les valeurs plutôt occidentales, les valeurs plutôt traditionnelles, qu'elles soient orientales ou sud-américaines. Ça a pu donc contribuer à ce rapprochement avec Raphaël aussi. Certainement. Après, Raphaël a aussi des origines d'Amérique du Sud, donc c'est vrai qu'on en a un peu discuté, on a un peu échangé autour de ça pendant mon cursus et après, quand on s'est recroisé plus tard. Donc, naturellement, ça, c'est sûr que ça a fait forcément un certain attrait dans nos discussions et nos échanges sur certaines visions de la santé, du soin. Et de l'importance que les visions du monde peuvent influencer beaucoup justement ce rapport-là aux soins, à la santé et à comment est-ce qu'on veut être soigné et traité. Et oui. Donc voilà, et puis pour rajouter une couche supplémentaire, mon arrière-grand-père était libanais, donc on a perpétué la tradition culinaire libanaise. Donc voilà, donc ça fait une sorte de soupe comme ça, un peu de plusieurs cultures. Donc non, c'est vrai que toutes ces choses-là, ça a l'air un peu anecdotique, mais ça a fait que l'aspect que je trouve vraiment très, très important pour moi dans BMS et ce pourquoi j'accompagne Raphaël, Paul, Raphaël et Ronald dans cette aventure, c'est ça en fait, c'est l'importance qu'on ressent dans nos échanges de valoriser ces cultures-là et ces relations-là avec certains héritages, certaines traditions, certaines visions du monde, certains rapports au monde et aux hommes, en fait, et aux hommes et aux humains, pour le dire, aux hommes, aux femmes et humains. Donc voilà, c'est vraiment ça qui, effectivement, m'a beaucoup importé dans cette aventure. Est-ce que tu penses que cet héritage culturel a pu constituer un frein par moment vis-à-vis de certaines personnes, ou au contraire, est-ce que ça a été une source d'enrichissement et d'échange? Tu parles plutôt par rapport à quelque chose de personnel, moi, ou par rapport à l'ostéopathie? Non, vis-à-vis de la relation avec les autres, avec ceux qui ne sont pas biculturels, par exemple, est-ce que ça
ça peut constituer des freins ou au contraire, est-ce que c'est source d'enrichissement dans tes relations? Personnellement, je trouve que c'est plutôt quelque chose d'enrichissant. Après, c'est, enfin, voilà, c'est toujours, c'est Janus, hein, c'est les deux faces. C'est-à-dire que personnellement, par exemple, je ne me sens pas enraciné quelque part et donc c'est difficile pour moi de parler d'une culture à proprement parler. Maintenant, effectivement, ça donne une lecture différente et une interaction différente avec les gens. Parce qu'effectivement, pour en revenir à mon parcours professionnel, moi, je travaille dans un cabinet sur le plateau de Saclay, donc dans le sud de Paris, qui est plutôt de classe moyenne et voire aisée et plutôt très scientifique puisque c'est un pôle scientifique. Oui. Donc ça c'est une partie de mon activité et l'autre partie de mon activité c'est au Bourget dans le 93 où il y a des communautés très très différentes. Il y a des communautés juives importantes, il y a des communautés musulmanes, il y a des communautés indiennes, pakistanaises. Et donc en fait ce que je remarque après c'est vraiment plus c'est quelque chose de l'ordre du ressenti, je peux pas rien de scientifique là-dedans, mais ce que je peux ressentir c'est qu'effectivement j'ai l'impression que quand on discute avec ces personnes-là qui sont d'autres cultures, et ben ils se dévoilent plus facilement sur certaines visions qu'ils ont de la vie ou de la santé ou certaines attentes dont j'ai l'impression qu'avec d'autres collègues qui ne sont pas forcément biculturels, ils n'abordent pas forcément tous ces sujets-là. Exact. Donc voilà, c'est de l'ordre du ressenti, donc je ne peux pas non plus… Et donc à propos du paradigme lui-même, ce que j'appellerais le paradigme développé par BMS, pour toi, qu'est-ce qu'il apporte à l'ostéopathie particulièrement? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et par exemple, surtout par rapport au modèle classique, voire le modèle biopsychosocial, est-ce que pour toi, il y a quelque chose d'autre qui émerge? Oui, encore une fois, c'est... Enfin, du fait de cette importance-là, et de cette lecture que moi j'ai, hein, de l'aspect culturel, au rapport aux autres et rapport à la vie en général, je pense qu'on n'interagit pas de la même manière quand on a cette vision-là entre les gens. Et donc forcément, on ne va pas toucher les personnes, que ce soit verbalement, que ce soit tactilement, que ce soit dans l'accueil, etc., dans les conseils qu'on peut donner. Donc on va pas les, on va pas les toucher avec tout ce que ça comporte comme variante, le toucher, de la même manière que si on avait un prisme de lecture biopsychosocial qui est quand même assez réducteur, au sens où y a le bio, il y a le psycho, il y a le social, mais je ne sais pas, il y a un aspect un peu gris à remplir, avec des cases à cocher, etc., dans cette lecture-là, et on oublie un peu voilà, de se centrer et de se focaliser sur le patient avec son vécu, son ressenti, ses représentations du monde et sa vision du monde. Et ça, c'est vraiment transmis par l'aspect plutôt culturel. Donc voilà, c'est ça que je pense l'apport principal. Oui, et surtout que au niveau social, on va dire qu'on est plus sur des aspects économiques des personnes, enfin des conditions de vie, plus que sur des aspects culturels. Oui, c'est vrai. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été très à la mode de s'attacher aux conditions économiques des gens, mais peut-être qu'il faut le dépasser aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que l'aspect... encore une fois, je reviens aux cases. Il y a les cases CSP+, CSP-, CSP++, etc. Bon, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. En fait. Enfin, ou en tout cas, c'est ce genre de catégorisation-là, elle sous-tend plein d'autres choses qui ne sont pas forcément explorées, je trouve, ou pas forcément non plus forcément enseignées hein, dans les approches sociales. C'est effectivement enseigné. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui t'incite à soutenir ce team et ce mouvement, on va dire?
particulièrement? Donc, bah, cet aspect-là, vraiment, est important et prépondérant pour moi. Il y a l'aspect aussi, enfin, c'est assez indéniable, c'est qu'on est quand même une bande de copains avec Raphaël, Paul, Raphaël et Ronald. Ça, c'est aussi important pour moi, c'est qu'il y ait une bonne entente et qu'il y ait du soutien, parce que, bah, on passe tous par des moments plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Donc ça, c'est vraiment important aussi, qu'on ait des échanges assez profonds sur plein de choses. Enfin, mm-hmm. Voilà, à chaque fois que je croise Raphaël, à chaque fois que je croise Paul, enfin, même Ronald, qu'on ait des discussions autour d'une bière ou autour d'un café, on refait le monde. Donc ça, c'est toujours ça. Chouette. Mais voilà, mais sinon, au-delà de ça, il y a, pour revenir sur un aspect plus pragmatique et terre à terre, il y a vraiment cette défense-là de l'aspect culturel et des aspects aussi d'héritage, enfin, de cette vision-là qu'a défendu Raphaël, par exemple, dans ses divers papiers sur l'héritage des médecines traditionnelles amérindiennes et l'influence qu'elles auraient pu avoir sur l'émergence de l'ostéopathie et la construction de cette thérapie-là. Pour moi, c'est quelque chose d'assez chouette et qui permettrait de sortir de ce débat de est-ce qu'on fait de la vraie ostéopathie, de l'ostéopathie originelle, pas d'ostéopathie originelle, etc. etc. On tourne un peu en rond, quoi. Et c'est vrai que ça a été complètement occulté dans la formation. Hein. Mmh. Totalement. Mmh. Enfin, moi, quand j'ai lu son article sur l'héritage amérindien, même si c'est quelque chose qui est assez connu de certains et certaines, c'est vrai que moi j'en avais jamais entendu parler avant, par exemple dans mes études. Jamais, c'est vrai. Et quel regard tu portes sur l'avenir de l'ostéopathie? Eh bien, c'est un regard inquiet. Inquiet en gardant un certain espoir. Enfin, moi, je suis plutôt optimiste, donc je suis sûr qu'on en ressortira plutôt grandi, mais inquiet à l'heure actuelle parce que on sent une certaine tension et un clivage de plus en plus fort entre deux visions assez polarisées des choses. Et il y a ceux qui sont ultra scientifiques qui n'est pas une mauvaise chose. Enfin, au contraire, moi, je suis plutôt un esprit scientifique et je milite pour ça. Mais de rentrer dans l'hyper critique et puis ne pas non plus accepter de réflexion. Enfin, je veux dire, si on en revient à l'aspect purement clinique de notre profession, on est des professions cliniques et la clinique, c'est tout sauf scientifique. Il y a plein de choses à gérer qui ne sont pas scientifiques. Enfin, c'est un rapport humain, c'est une relation, c'est des valeurs et des attentes du patient qui sont peut-être pas scientifiques et donc il faut les accepter. Enfin, bref. Et qui sont justement dépendantes de sa culture et de ses représentations. Exactement. Donc voilà, si on se base que sur ça, on enlève tout un pan de notre activité qui reste de la clinique et c'est dommage. Et à l'inverse, c'est pareil, ceux qui sont dans une approche trop traditionnalistes et qui s'en tiennent que au texte, c'est bien, mais en fait, la lecture des textes et la vision des textes change aussi avec le temps, au fur et à mesure des connaissances qu'on peut avoir sur la vie de style et puis de cette région. Et le texte, sans le contexte, il ne dit pas grand-chose non plus. Donc c'est bien d'amener de la réflexion autour de ça. Oui, ça fait sortir des clivages. Comme souvent, le raisonnement et la réflexion font qu'on évite de tourner en rond et de se chamailler pour faire grand-chose. Donc voilà, donc c'est aussi ça que j'aime chez BMS, c'est que quand on a fait la supervision avec Paul, parce que c'est une des formations qu'on donne, il y a des visions d'un extrême à l'autre et on arrive quand même à dialoguer, à parler, à s'entendre, à échanger. Donc c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait on est plutôt dans un dialogue et dans un échange plus que dans du crépage de chignons et de l'insulte. Donc c'est plutôt chouette. Je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
à tout ça. Eh bien, non, merci beaucoup, Ildiko. J'ai hâte prie. D'entendre mes camarades. Alors, on va passer, donc, on a dit à Paul, je crois. Attends, on a dit qu'on passait, oui, à Paul. Donc, je vais reformuler les mêmes questions. Merci, Damien. Reformuler les mêmes questions et savoir si tu as un sujet que tu préfères développer plutôt qu'un autre. Donc, bon, déjà une petite présentation sur ta vie professionnelle et puis ton parcours personnel qui pourrait être justement le lien entre vous quatre des aspects culturels et des partages que vous pourriez avoir, des points communs. Ok. Donc, moi, c'est Paul Ancry. Donc, je suis ostéopathe depuis. Enfin, j'essaye de devenir ostéopathe depuis 2009. Une petite dédicace à mon ami Ronald Ellis. Et donc, je suis diplômé du CESU Paris. Voilà. Et puis là, dernièrement, j'ai fait un. Je suis en cursus dans un master à l'université de Métropolia. Voilà, pour me rapprocher d'un cursus un peu plus justement scientifique. Peut-être mes liens avec avec Raphaël, bah c'était effectivement aussi un de mes professeurs quand j'étais au CESU Paris. Et puis ensuite on a travaillé ensemble sur l'étude LC ostéo qui a eu lieu à l'hôpital Cochin. Donc voilà, j'étais un des praticiens, et donc on est resté en contact pendant cette étude, et puis ensuite nos chemins se sont un peu écartés, et on s'est retrouvé il y a quelques années au CESU quand il est revenu à Paris, et puis c'est à partir de là que j'ai fait des formations, j'ai fait la formation native, et voilà, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant et quelque chose qui manquait pour moi, c'est-à-dire de pouvoir parler de certaines approches en ostéopathie de manière très actuelle, très pragmatique. Et donc, pour moi, ça m'a aidé à modifier peut-être un petit peu le discours par rapport aux patients. Et puis aussi, je suis dans l'enseignement, donc ça m'a aussi aidé à modifier la façon dont je présentais les choses voilà, des références beaucoup plus actuelles. Et ce qui a déjà été évoqué par Damien, mais voilà, cet attachement à l'analyse critique et à la recherche, pondérée, c'est-à-dire en prenant que disent les articles, que disent les anciens, ceux qui ont l'expérience clinique. Et puis quelles sont effectivement les attentes et les croyances des patients. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai vraiment accroché avec BMS. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours dans cette aventure. Et concrètement, effectivement, quand tu constates des différences culturelles, concrètement dans la pratique, ça se manifeste comment vis-à-vis du patient? Alors, sur la différence culturelle, pour moi, en fait, c'est. Donc, moi, par rapport à mon parcours aussi, voilà, pour dire quelques mots de mon parcours personnel, moi, je suis issu. Il y a une partie de ma famille qui est juive d'Afrique du Nord et une partie de ma famille qui est catholique, française, parisienne. J'ai aussi ce métissage, alors qui est judéo-chrétien, mais assez tôt, je me suis interrogé sur la question des croyances, parce que je voyais que c'était très différent chez mon père ou chez ma mère. Comment je rattache ça à la clinique et à la pratique? Pour moi, c'est simplement de poser un cadre et de poser les questions qui peuvent être importantes pour le patient, ou en tout cas de laisser la possibilité au patient d'exprimer qui il est, son système de croyances, ses valeurs, et
et que le patient se sente suffisamment sécure et en confiance pour ça. Donc, c'est des choses qui, à mon avis, se mettent en place. Ce n'est pas forcément à la première consultation que... Mais en tout cas, de poser le cadre et de poser certaines questions pour que le patient se sente autorisé. C'est un espace où c'est possible. Mm-hmm. Et où c'est possible et où c'est respecté. Et je pense que ça, c'est très important. Et le fait est que, comme tu connais ces deux pôles de culture, bah, du coup, tu peux être plus proche d'eux. Je ne sais pas si je peux être plus proche, mais en tout cas, je, d'une certaine manière, je me dis que c'est possible, que d'autres systèmes de croyances sont possibles. Et que, alors, je ne sais pas à quel point je les comprends, mais en tout cas, je les vois, je les observe et je les respecte. C'est ça qui me semble important. Un autre point ça me fait penser à ça. J'ai une partie de mon activité aussi qui est à l'hôpital où j'encadre un stage en lien avec le service d'oncologie à Saint-Denis et plus précisément avec l'équipe mobile de soins palliatifs. Et dans ces services-là, en fait, la question de la culture, la question des croyances, c'est quelque chose qui est complètement intégré en fin de vie. Voilà, chez des patients qui décèdent, il y a des rituels qui sont organisés parfois à l'hôpital pour respecter le système de croyances et les rituels de chaque personne et des familles. Donc, puisque ça existe déjà à l'hôpital, dans un système de santé, pourquoi, et dans le cadre de la fin de vie, pourquoi on ne pourrait pas aussi respecter ça et utiliser ça quand les patients sont bravo. En vie et voilà. Donc, je pense que c'est aussi... C'est aussi ça qu'apporte cette vision culturelle en santé. Et alors, la même question que j'avais posée à Damien sur ton regard, cette biculture, en fait, est-ce que c'est une richesse ou est-ce qu'à certains moments, ça peut être un frein dans certaines relations? Alors pour moi ça a toujours été une richesse parce que ça ouvre des perspectives, ça ouvre des possibilités de compréhension de l'autre. Après c'est sûr que ça peut être compliqué, mais parce que d'un côté on te dit moi quand j'étais plus jeune voilà, d'un côté on me disait que j'étais juif et puis pour les autres j'étais pas juif. Ah bon, et ta mère est pas juive, bah t'es pas juif. Bon. Donc voilà, tout ça pour dire que ce que ça a nourri chez moi, c'est des réflexions sur les croyances et sur la question de l'identité. Et donc, je me suis dit, finalement, l'identité et qui je suis, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut, que la façon dont on veut me définir. Te cataloguer, en fait. Exactement. Et donc, je pense que c'est une richesse à partir du moment où on accepte qu'on est les deux, en fait. Voilà, qu'on a ces deux cultures, ces différentes influences. Et maintenant, par rapport au... Alors là, c'était des questions très personnelles que tu as développées, je t'en remercie. Maintenant, ce paradigme développé par BMS, au niveau de l'ostéopathie, au niveau de la communauté ostéopathique, à ton avis, qu'est-ce qu'il amène? Et surtout par rapport au modèle déjà décrit dans l'OMS, les 10 modèles, qu'est-ce qu'il va chercher de plus? De plus ou... Ce que, pour moi, c'est un retour aux sources, en fait. C'est la révolution, donc c'est revenir au point de départ. Et le point de départ, c'est style et ses influences, effectivement, aussi amérindiennes. Et je pense que c'est pour ça que je suis aussi proche de BMS, et que tout ça est publié. Donc de voir qu'en ostéopathie, on peut avoir des approches qui sont liées à des médecines traditionnelles ou liées à des médecines occidentales, voilà, je pense que c'est une des particularités de l'ostéopathie. Donc,
Voilà, c'est là où je pense que c'est ça que c'est un des éléments qu'apporte BMS, et parce que ce n'est pas que des discours, c'est aussi des actes et des publications. Et donc, je trouve qu'en ça, y a une cohérence. Effectivement, oui. Et donc, c'est ce qui t'incite à soutenir ce team? Après, ouais, je soutiens BMS, voilà, je suis voilà, pour les mêmes raisons qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire que bah, le fait qu'on s'entend bien, et puis mais il y a au-delà de ça, je pense qu'il y a effectivement une vision des valeurs communes, et je pense que c'est assez unique. Je vois pas trop d'autres centres de formation ou écoles qui mettent en avant cet aspect-là de l'ostéopathie et de la profession en regardant voilà, cet héritage culturel avec des données scientifiques. Oui, c'est inédit, c'est inédit. Et tout à l'heure, tu as évoqué l'étude faite à Cochin. Comment tu as vécu le bashing horrible qui s'en est. Alors, je l'ai pas mal vécu. Moi, j'étais pas, voilà, j'étais pas dans la position de Raphaël. J'étais pas non plus en première ligne. Donc, pour moi, je l'ai pas mal vécu. Et puis, d'une certaine manière, je m'y attendais parce que quand j'étais praticien pour cette étude, assez vite, j'ai dit, j'en ai parlé à Raphaël. J'ai dit, mais Raphaël, tu sais qu'il y a des patients là du bras placebo, ils vont mieux. Il y en a que je vais traiter là. Et c'est là où Raphaël est vraiment un esprit critique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il m'a dit, bah, on verra les résultats. Là, pour l'instant, on est dans l'étude, on récolte des données, on va au bout du processus, et puis après, on discutera une fois qu'on aura toutes les données. Et je m'étais dit, ah ok, donc c'est comme ça aussi qu'on fait de la recherche en fait. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, on prend le temps de poser les choses et de discuter les arguments. Et je pense qu'on en est là en fait en ostéopathie pour anticiper ta prochaine question. Sur l'avenir de l'ostéopathie, je pense qu'on est encore dans une phase de transition. Et que ces changements de modèle peuvent être difficiles à accepter, difficiles à comprendre, parce que ça remet beaucoup de choses en question, et que pour l'instant, on est un peu voilà, une période d'adolescent, en fait, un peu excité, alors que si on regarde en médecine, ils font pareil. Ils prennent les données, ils étudient, ils observent, ils réfléchissent, et puis voilà. Et si ça va pas, on change. Mais voilà. Donc moi, j'aime bien ce côté un peu plus, voilà, un peu plus posé, réflexif. Merci, merci infiniment. Tu as quelque chose d'autre à rajouter que tu aimerais développer un peu plus? C'est une question très ouverte. Oui, exprès. Non, mais simplement, voilà, vous remercier tous, et puis voilà, de continuer cette aventure avec vous, parce que je pense que c'est important pour les patients et pour la profession. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais passer maintenant à Ronald. Bonsoir. Bonjour, d'être là avec vous. Donc, alors, les questions, c'est un peu toutes les mêmes, mais avec votre personnalité. C'est un petit peu ton parcours, ton école, et finalement, ton accent te trahit beaucoup plus que les autres. Donc, on sait tout de suite que tu es biculture. Et donc, moi, je voulais savoir comment des États-Unis, tu as atterri en France déjà, toi. Bon, moi, j'ai atterri en France, j'avoue, c'était un avion, donc rien de mystérieux. Mais j'étais allé à l'école des Beaux-Arts à Los Angeles et
Je voulais connaître la culture européenne. C'est nos bases, mais pour un Américain, ça semblait loin à l'époque, dans les années 60. Je trahis mon âge. Et donc, je suis venu en France. Je suis tombé amoureux de la langue en premier, du pays après, et puis d'une Française, et je suis resté là. Mais tu parlais déjà français? Pas un mot, pas un mot. Mon Dieu. Et j'ai découvert l'ostéopathie grâce à un art martial qui s'appelle l'aïkido. Je m'étais blessé, j'ai fait une entorse cervicale. Et il y avait une jeune femme qui m'a dit, tiens, bah, tu devrais aller voir mon ostéopathe. Et moi, j'ai répondu, ton ostéo, quoi? Elle m'a dit, ouais, mon ostéopathe. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça pour un Américain? C'est bizarre, je vivais en Californie, je ne connaissais pas l'ostéopathie. Il faut savoir que l'ostéopathie avait été interdite en Californie en 62, je crois. Wow. Et, il y avait une école d'ostéopathie à Los Angeles jusqu'en 62 et qui avait été fondée, je crois, dans les années 20, qui a duré jusqu'en 62. Et puis, à ce moment-là, le cours suprême de la Californie, en tout cas la législation de la Californie, a interdit l'ostéopathie. Et donc, les ostéopathes étaient obligés de quitter la Californie. Ou bien on leur a fait une proposition de devenir médecin allopathique. Et malheureusement, la vaste majorité ont choisi de suivre cette solution. Il y en avait des illustres ostéopathes qui ont quitté la Californie, comme Fryette. Il est allé vivre en Arizona, qui est juste là. Il a traversé une frontière, il pouvait pratiquer. Et puis, il y avait quelques courageux comme Viola Freeman qui a refusé et qui est resté en Californie, qui a entamé des luttes légales. Et l'ostéopathie était de nouveau reconnue en 76, je pense. Wow. Mais entre-temps, moi, j'ai grandi, j'ai quitté la Californie et moi, je ne connaissais pas du tout l'ostéopathie en arrivant en France. Et donc, cette jeune femme me dit, bah, tiens, tu devrais aller voir mon ostéopathe. Et évidemment, j'ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a dit, ah, c'est un monsieur qui te chatouille et après, tu vas super bien. Évidemment, j'ai pas cru un instant, mais comme je voulais séduire cette jeune femme, j'ai dit, je vais aller voir ce monsieur. Et donc, j'ai vu un monsieur qui était un des premiers ostéopathes en France. Il paraît que c'est un homme qui avait été, à cette époque-là, tous les ostéopathes étaient les kinésithérapeutes. La kinésithérapie emmener des jeunes à chercher d'autres choses. Et dans les années 60, Viola Freeman, entre d'autres, venait en France donner des cours. Et puis, un mouvement commençait. Et puis, il paraît qu'il y avait une école qui s'est ouverte à Paris par un homme que je ne connais pas trop son histoire, qui s'appelait Jenna. Paul Génie. Paul Génie. Qui son école avait été fermée et puis il y avait une espèce de scission. Il y avait une partie qui sont allés en Angleterre et l'autre partie qui est allée en Suisse. Et il s'avère que moi, je suis tombé sur un ostéopathe qui avait été dans ce groupement suisse et qui avait créé une discipline qui s'appelait éthiopathie. Mais il y avait quelques courageux qui ont décidé de revenir en France et réclamer le nom de l'ostéopathie, dont Maurice Angel et Jean Perrier qui a créé Attestil Academy. Et donc, j'ai pu entrer dans l'ostéopathie, une série presque d'hasard, je pense, si ça peut exister dans la vie.
Je faisais partie de la toute première promotion de ce qu'on appelait à l'époque les non-kinés. C'était en 80. Les ninis. Oui, bah, à cette époque-là, on n'était même pas les ninis, on était les non-kinés. On était assez blackboulés par les élèves kinésithérapeutes qui pensaient qu'on allait dénigrer cette profession. Et puis, voilà, on m'a laissé entrer dans cette formation. Et me voilà, jeune Américain qui parlait assez mal le français, qui n'avait aucune culture médicale, un peu d'anatomie à cause du dessin. Et je me suis dit, comment je vais apprendre ce métier? Et il n'y avait pas de livre en ostéopathie à l'époque. Il y en avait un seul qui était écrit par un homme, un Lyonnais d'ailleurs, qui s'appelait Raymond Richard sur le vertébral. Ah oui. Que toi, tu connais. Tiens, oui. T'es le seul qui connaît. Et puis, je me suis demandé comment apprendre ce métier. J'ai téléphoné à mon papa, plutôt j'ai écrit, à l'époque il n'y avait pas d'internet et tout ça. Et j'ai dit, papa, aidez-moi, je vais apprendre l'ostéopathie, il me faut des livres. Et mon père ne connaissait pas l'ostéopathie non plus. En 82, imaginez, mon père qui était officier haut gradé de la marine, donc un homme assez bien éduqué, avait aucune notion de ce que c'était l'ostéopathie. Mais à l'époque, il savait utiliser les ordinateurs. C'était un peu un pionnier de ça. Il a découvert que l'ostéopathie avait un fondateur qui s'appelait Andrew Taylor Steele, que cet homme a écrit des livres, 4 livres, dont une autobiographie. Il m'a envoyé l'autobiographie, donc le voici. Et j'ai commencé mes études d'ostéopathie comme ça. Et puis, fabuleux. J'ai fini son autobiographie, j'ai dit, papa, un autre. Il m'a envoyé un autre qui s'appelle La philosophie and mechanical principles of osteopathy. La philosophie, je me suis dit, c'est quoi cette histoire, la philosophie? J'ouvre le livre et la toute première phrase, c'est « I quote no authors but God and experience ». Je cite aucune auteur sauf Dieu et l'expérience. Waouh! Je me suis dit, où est-ce que je suis tombé? Je reviens à son autobiographie, page 56-57. Il y a même pas. Si on réunit la moitié de la page 56 avec la moitié de la page 57, on va arriver à une page et un quart. Et il parle de son expérience à Wakarusa, en réserve indienne. Ah. Et je reviens, je cite aucun auteur. Steele ne disait pas d'où venait l'ostéopathie. Et je pense que c'est quelque chose qui interpelle tous les ostéopathes. Chaque ostéopathe qui a réfléchi un peu à son métier se demande comment Steele est arrivé à cette conclusion. Exact. Mais il ne le dit pas. Donc, il faut essayer de lire entre les lignes. Et moi, jeune élève en première année, je lis qu'il a passé une année avec les Indiens. Et je dis, mais évidemment, c'est le missing link. C'est le chaînon manquant. Il a appris avec les Indiens. Et puis, j'ai commencé à parler autour de moi. Je parlais à mes profs, à mes copains, élèves et tout ça. Et tout le monde m'a dit, Ronald, tu es vraiment le mec le plus farfelu que j'ai jamais vu de ma vie. L'ostéopathie n'a rien à voir avec la médecine amérindienne. Bon. Surtout que tout le monde reconnaît, tout le monde prononçait le mot de l'anatomie, encore de l'anatomie et encore de l'anatomie hein, à l'époque. Alors, comme j'étais déjà dans une situation d'infériorité parce que je n'étais pas kiné. Et comme je disais des bêtises, comme Steele aurait peut-être appris avec les Indiens, je me suis dit, Ronald, tu vas faire profil bas, tu vas mettre ça dans un coin et tu vas, peut-être un jour, tu vas ressortir ça du placard. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Et puis, j'ai évolué, j'ai eu mon diplôme.
j'ai commencé à travailler, j'enseigne dans les écoles ici à Lyon, j'enseigne aussi à CESO Paris. Et puis, j'ai rencontré Raphaël à la reconnaissance de l'ostéopathie. Je crois que c'était en 2008, quand on nous a interdit de toucher les bébés de moins de 6 mois. Oui, 2007. 2007. Et puis tout le monde se demandait pourquoi. Et Raphaël avait le courage d'essayer de mettre ça à l'épreuve. Et il a fait une petite expérience qui a fait le tour du monde où il a mesuré la pression qu'on met sur la tête quand on fait des techniques dites crâniennes. Et il a mesuré, si je me rappelle bien, que cette pression est entre 30 et 50 grammes. 50 grammes, c'est le poids d'une lettre d'amour à 2 pages. Alors, je me dis, une lettre d'amour à 2 pages, ça ne va pas faire du mal au gamin. Et donc, ce jeune homme, Raphaël, ça m'a intéressé. Et puis, il est parti. Il est parti aux États-Unis faire de la recherche et tout ça. Il n'avait pas encore déterré les Indiens. Pas encore. Il est revenu en France et puis un jour, il commençait à parler de que peut-être Steele avait été initié par les chamans amérindiens. Et comme il avait fait 2 années de recherche à Kirksville, le mec de l'ostéopathie, tout le monde l'écoute. Et moi, j'avais dit ça 20 ans auparavant et j'étais vraiment pas content. Je dis, merde, on le croit. Et moi, je disais ça il y a 20 ans, tout le monde m'a pris pour un farfelu. Et donc, j'ai couru, j'étais dans le premier stage que faisait Raphaël parce que je voulais savoir ce qu'il disait. Et voilà, je le suis depuis. Oh, c'est passionnant, c'est passionnant. Tu vois, je ne connaissais pas ton histoire, mais réellement, c'est passionnant. Alors, ouais, je ne sais pas si c'est très intéressant ça, mais tu avais posé une autre question aux autres. J'espère que tu vas me le poser aussi. Qu'est-ce que c'est que BMS amène à l'ostéopathie? Bravo, oui. Et je me rappelle, dans un stage qu'on a fait qui s'appelait Speedy, si je me rappelle bien, où on parle de biopsychosocial. Et Raphaël, dans sa première article, où il commençait à parler de l'influence des Amérindiens, il parlait de la spiritualité. Et il dit, on va ajouter maintenant biopsychosocio-spirituel. Et je me suis dit, et il a parlé de la révolution. Alors, je pense que beaucoup de personnes prennent le mot révolution comme étant la rupture de quelque chose, comme la Révolution française qui peut être vue comme quelque chose de violent. Mais moi, j'ai toujours vu la Révolution comme un cercle et comme si on revenait aux origines. Et c'est pour ça que je suis Raphaël. Il retrouve la spiritualité qu'on trouve dans les livres de Steele, dans les livres de Sutherland. Il y a un magnifique petit livre qui s'appelle « Avec les doigts qui pensent » où la femme de William Gardner Sutherland parle de comment cet homme a conçu les techniques qu'on aime bien appeler crâniennes en ostéopathie. Et c'est joncé de spiritualité. Et c'est quelque chose qui existait en ostéopathie avant. Pourquoi dans 6 années d'études, parce qu'à mon époque, c'était 6 années d'études, on n'a jamais prononcé un seul mot sur la spiritualité. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Pourquoi j'enseigne dans 4 écoles différentes et j'ai jamais entendu un professeur oser prononcer le mot spirituel avant Raphaël? Donc voilà, je lui tire mon chapeau. Je pense que voilà, c'est une des choses qu'on peut remercier BMS à nous challenger. Je ne dis pas qu'on est obligé de gommer tout ce que dit Raphaël, mais il nous pose des questions qui nous mettent en cause et à nous d'aborder ces questions avec une critique rationnelle. Et puis,
Il y a encore une chose, je ne sais pas qui c'était, peut-être c'était Paul qui parlait de la clivage de l'ostéopathie aujourd'hui entre les traditionnalistes et les scientifiques, et on est en train de se bouffer le nez. Je crois que malheureusement, on a une petite faction de traditionnalistes, une petite fraction de scientifiques et une grande masse d'ostéopathes qui travaillent dans le coin et qui ne se posent pas beaucoup de questions. Malheureusement, j'espère que j'ai tort, mais c'est ce que je ressens autour de moi. Et Raphaël a le mérite de les pousser un petit peu dans le recoin et disait retranchement. Il va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous faites. On a besoin, l'ostéopathie a besoin d'une pratique réflexive. Il faudrait qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, à qui on est. Et il va falloir qu'on trouve du sens, puisque si on continue comme on fait, effectivement, il va y avoir un clivage. Damien disait qu'il n'était pas très rassuré pour l'avenir de l'ostéopathie. Ce n'est pas la première fois. Il y avait un grand ostéopathe qui s'appelait Dr. Northrop dans les années 40 qui a écrit un article qui s'appelait « La mort de l'ostéopathie ». Dr. Jim Jealous, dans les années 90, il a repris cet article, il a fait une variante dessus qui s'appelle toujours « La mort de l'ostéopathie ». Donc l'ostéopathie est déjà mort, il a déjà... C'est un peu comme le phénix, il renaît de ses cendres. Et moi j'ai beaucoup de confiance. Je pense qu'on est déjà en train de sortir du problème de ce que disait Damien, de tout scientifique. Je crois que les ostéopathes commencent à voir les limites de evidence-based medicine. Je ne suis pas contre l'evidence-based medicine du tout. Et c'est le grand atout de Raphaël et BMS, c'est qu'on va regarder la tradition, l'ostéopathie empirique, ça marche, ça a marché, ça a fait ses preuves, on ne sait pas l'expliquer. Mais maintenant, on a les moyens scientifiques, et c'est ce que Paul fait avec son Master 2. On a les moyens maintenant d'évaluer l'ostéopathie. Et grâce à ces deux courants, on va régénérer l'ostéopathie. Bravo. Est-ce que tu pourrais dire simplement que ça va fonder notre identité? Oui, pourquoi pas. Celle qu'on cherche toujours, en fait. Merci infiniment, Ronald. Tu as dit ça avec beaucoup, beaucoup de conviction. Tu as répondu en même temps à toutes les questions. Tu les as superbement fait défiler. Merci. Merci infiniment. Bravo. Alors, il me reste maintenant Raphaël. Et donc, on va un petit peu balayer, un petit peu à la même façon. Tu as peut-être un domaine particulier à... J'ai un peu échangé avec toi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est comment tu as suivi ce parcours de Raphaël et comment tu as suivi son évolution. Eh ben, je te remercie, en tout cas pour toutes ces questions. Je tiens à saluer aussi mes camarades guerrieros que j'ai eu plaisir d'écouter juste avant moi. Ça va être dur de passer en dernier parce que forcément il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses évidemment avec lesquelles je suis d'accord. C'est pour ça que je pense qu'on forme une bonne équipe tous les quatre, parce qu'on apporte chacun notre petite touche à cette famille BMS, cette team. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir découvert aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur vous, parce qu'on parle beaucoup de travail, mais il y a eu beaucoup de choses personnelles lors de cette discussion. Et j'en ai appris un peu plus sur vous. J'ai pris des petites notes comme ça, au plaisir de rediscuter de certains points individuellement avec vous quand on aura l'occasion de se revoir. C'est vrai que c'est formidable. C'est vraiment super. Je pensais pas qu'on aurait autant de, on apprendrait autant de choses les uns des autres. C'est vraiment. C'était le but, hein, c'est de faire connaître les membres de BMS.
et ce qui les anime en fait. Bah écoutez, moi je dois être le plus jeune de l'équipe, hein, donc j'ai forcément un petit peu moins de peut-être un peu moins de trucs à raconter. Mais j'ai commencé mon premier rapport à l'ostéopathie, c'était après les études, après le bac à lauréat, où je me suis d'abord inscrit en France au CESO, et en fait j'ai vite eu comment dire des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont un petit peu moins plu, dans pas forcément vis-à-vis de l'école en elle-même, mais vis-à-vis de la reconnaissance de l'ostéopathie et du diplôme en France. Et d'un point de vue personnel, j'ai essayé en fait de travailler, enfin continuer ma formation au Royaume-Uni. Donc moi j'ai été diplômé de la British School of Osteopathy, qui maintenant s'appelle l'University College of Osteopathy. J'ai été diplômé en 2016. Donc on va dire que j'ai une espèce de double culture ostéopathique, parce que j'ai connu un petit peu en France et en Angleterre, donc avec des choses intéressantes des deux côtés, mais quand même pas mal de différences d'approche. Et Raphaël a été présent en fait dans ces deux expériences, puisque j'ai rencontré Raphaël en première année au CESO en tant que prof de structurel, avec qui j'ai eu tout de suite un certain feeling professionnel, avec qui je m'entendais bien. Et par hasard, mais complet, je l'ai retrouvé à la BSO après son voyage aux États-Unis. Donc bon, le hasard, la providence, on appelle ça un petit peu comme on veut. Mais en tout cas, Raphaël, je l'ai retrouvé un jour dans un couloir de la BSO. Il était directeur des mémoires en Angleterre. Et il m'a tout de suite reconnu, il m'a tout de suite repris un petit peu sous son aile, et il m'a tout de suite proposé de travailler avec lui, d'abord comme remplaçant, c'est-à-dire que avant que BMS existe, j'étais son remplaçant au cabinet. Et en fait, ça a été nos premiers échanges professionnels après le diplôme, où j'ai eu voilà, la chance d'avoir sa confiance, et ensuite de voir l'évolution de BMS depuis le début, puisque on a commencé un petit peu ça ensemble il y a 4 ans maintenant. Ça passe vite. Et j'ai vu le concept évoluer. C'est-à-dire que moi j'ai été formé à l'anglaise avec vraiment le modèle biopsychosocial en fond de cours, quoi. J'ai été formé plutôt, voilà, à la médecine en fait, plus que parfois à l'ostéopathie comme on pourrait l'interpréter en France. Moi j'ai vraiment, par rapport à mes collègues français, une approche qui est un petit peu différente, plus médicalisée, plus standardisée, plus proche de la physiothérapie, entre la médecine de rééducation, qui mixe les exercices. C'est vraiment une approche différente de l'ostéopathie qui me plaît, évidemment. Je me reconnais dedans, ça me plaît. C'est très, très pragmatique aussi comme approche de l'ostéopathie. Et du coup, avec Raphaël, j'ai retrouvé une certaine ouverture d'esprit culturelle que je n'avais pas avant. Du tout. Vous avez tous, mes collègues, là, eu des expériences culturelles, parfois dès la naissance, parfois via vos parents. Moi, j'ai une origine arménienne, mais que je n'ai pas vraiment vécue, parce que c'est la 4e génération. Donc, je n'ai pas des parents qui ont grandi à l'étranger, je ne suis pas né à l'étranger, je suis né en France, et donc j'ai cette culture voilà, judéo-chrétienne. Oui, mais elle est en toi. Tu ne penses pas qu'elle est en toi, cette culture arménienne? Exactement. En fait, elle était en moi, mais elle était complètement dissimulée et elle n'était pas présente avant mon premier voyage en Arménie. À l'âge de... c'est le jour où j'ai eu mon diplôme, donc je suis parti en Arménie juste après mon diplôme en 2016. Et en fait, j'ai eu une ouverture culturelle à ce moment-là, où j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses quand je suis allé dans ce pays pour faire de l'humanitaire avec une association, pour faire une association qui s'occupe des soins ostéopathiques dans les pays en voie de développement, qui donne des soins aux populations locales démunies. Et donc j'ai participé à cette aventure, et j'ai découvert ma culture,
parce que je ne la connaissais pas, je n'étais jamais allé en Arménie. Mais elle était en toi. Et elle était en moi. Et elle s'est vraiment révélée lors de ce voyage. Et à partir de là, j'ai vraiment pris conscience de toutes ces interactions spirituelles, culturelles. L'Arménie étant un pays qui a une forte identité religieuse. Ce sont des chrétiens d'Orient qui dépendent de l'église apostolique arménienne. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, c'était quelque chose de nouveau pour moi que je n'avais pas forcément vécu en Europe et en France. Donc voilà, ouverture d'esprit. Et puis, en parallèle, on a commencé à travailler avec Raphaël sur la création de BMS. Donc, voilà un petit peu mon début de carrière. Ah, donc, tu as vraiment assisté au début de BMS, toi ? J'étais au tout prémisse, en fait. C'est-à-dire que j'ai remplacé Raphaël lors de son premier voyage en Amérique du Sud. Il est retourné au Pérou. Il m'a demandé de le remplacer pendant ses vacances. Il est parti. Il est parti dans la forêt faire ce qu'il fait dans la forêt. Vous lui poserez la question. Je ne parlerai pas à sa place. Et il est revenu avec un article, son premier article sur les premières bases du modèle biopsychosocio-spirituel et la relation que pouvait avoir les peuples amérindiens avec l'ostéopathie et avec le soin. Et là, tu dirais qu'il y a eu une véritable transformation, tu l'as perçue ? Alors oui, j'ai perçu déjà, même Raphaël, je l'ai ressenti différent aussi, parce que pour l'avoir connu avant et pour l'avoir connu après, j'ai vu aussi même le personnage évoluer au sein de BMS. Enfin, et voilà, j'ai tout de suite voulu faire partie de cette aventure parce que c'était nouveau pour moi, parce que c'était excitant, voilà, t'es jeune diplômé, tu connais pas grand chose et t'as envie de te rattacher à un mentor. En fait, Raphaël, moi je le décrivais comme mon peers. En Angleterre, on doit choisir un peers, c'est-à-dire quelqu'un qui est un pair. Professionnel évidemment, avec lequel on doit échanger. C'est dans nos critères de formation, nos critères de CPD, de Continuing Professional Development. Donc en fait, c'est obligatoire d'avoir un référent. Et ben, j'ai choisi Raphaël et donc du coup, on a travaillé ensemble avec aussi un autre collègue, Alexis, qui aujourd'hui n'est pas présent, mais qui était là au début aussi. Avec qui on est parti, on a commencé cette aventure BMS, on était trois, et on a été rejoints par l'équipe au fil du temps, au fil des formations, et j'ai vu les formations évoluer au gré des années, au gré des rencontres. Le premier native ne ressemble plus au native d'aujourd'hui, quoi. Mais justement, quand même, ce que j'aimerais savoir, c'est que par rapport à ta formation on va dire biopsychosocial, qu'est-ce que ça a amené dans ta réflexion, concrètement dans ton exercice? Qu'est-ce que ça a généré? Eh bien, écoute, ça m'a rajouté une corde à mon arc, parce qu'en fait, j'avais l'impression de bien soigner les gens avec le modèle biopsychosocial. Eh ben, avec le modèle biopsychosocio-spirituel, j'ai l'impression de mieux répondre à certaines demandes de mes patients, à mieux comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, dans leur corps, comment ils interprètent la douleur, comment ils interprètent les effets contextuels, comment ils interprètent la guérison, quelles sont leurs perspectives. Et tout ça, c'était évoqué, mais vraiment différemment. C'était dans un angle, sur un angle qui était vraiment presque mineur au niveau du modèle biopsychosocial, qui était confus, un peu intégré à la psychologie ou au social, mais qui n'en ressortait pas. Et donc, du coup, j'ai découvert l'importance de la prise en charge spirituelle dans le traitement. Et c'est là que je me suis dit, on a une différence, on a quelque chose en plus à apporter qu'un médecin, qu'un psychologue et qu'un kinésithérapeute pourraient le faire avec le modèle standard. Est-ce que l'intuition fait partie intégrante dans ta pratique, justement, avec la spiritualité, ou est-ce que c'est quelque chose que tu laisses de côté ?
Alors, l'intuition, elle est présente, je pense, chez tous mes confrères et en fait dans toutes les thérapies manuelles qui sont des médecines alternatives complémentaires sur lesquelles il n'y a pas de standardisation de traitement, où on n'est pas sur des études qui ont été qui font des voilà, on n'est pas sur des traitements standardisés où là on sait que d'après l'étude LC-ostéo, justement, ça n'apporte pas forcément de plus-value. Donc, le système intuitif, c'est ce qui est décrit par le modèle Kinéphine dans le dernier article de Raphaël avec Francesca Baroni j'ai oublié son nom, ça me reviendra, Christian Lungi, qui sont les co-auteurs. En fait, le modèle Kinéphine met des mots scientifique sur le modèle chaotique intuitif qu'on peut avoir en thérapie manuelle en palpation. Donc, pareil, je vais peut-être te couper sur une question en disant que c'est ça qui m'a plu chez BMS et chez Raphaël, c'est-à-dire que je suis pas d'accord sur il n'y a pas de clivage pour moi entre le scientifique et le non scientifique, c'est-à-dire que on peut parler de tout en science. Vraiment, on peut parler on peut parler de politique, on peut parler d'anthropologie, on peut parler de culture, on peut parler de magnétisme, d'énergétique, on peut parler des Indiens, on peut vraiment parler de tout à partir du moment où on utilise la même langue, la langue internationale scientifique. Et la science, et pour moi, n'est pas du tout en dissoci en, à dissocier de ce qui se passe dans le cabinet et qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que même quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, il faut en parler, il faut en parler avec d'autres personnes, comme ce qu'on fait, il faut poser les choses, il faut les écrire, et grâce à ça, on peut faire avancer, et des choses qui ne sont pas comprises aujourd'hui, on peut apporter un peu de lumière dessus. C'est ce que Raphaël a fait de manière, je trouve, j'aurais pas pu. Je connais personne qui a fait mieux aujourd'hui avec BMS, c'est-à-dire que il a pris des choses qui se passent dans notre cabinet et il a essayé de les expliquer en utilisant l'histoire, ses expériences personnelles, les autres écritures d'autres Vision. auteurs. Oui. Voilà, il est allé chercher ce qui avait déjà été publié sur la chose. Il est sorti du prisme médical. Il est parti en anthropologie. Il est parti en sciences culturelles. Il est parti en psychologie, il est parti vers tous les angles et en fait, il a récupéré tout ce qu'il y avait à prendre pour essayer De d'apporter une certaine construire. lumière, voilà, de construire et d'éclairer ce qui se passe dans nos mains, dans nos cabinets tous les jours. Et pour moi, Raphaël, c'est un réconciliateur plutôt qu'un cleaver. Il a vraiment pas du tout ça en tête, c'est pour ça qu'il appelle ça la rélovution en fait. Il veut que tout le monde s'aime dans la profession. C'est pas des, c'est tout, tout est pensé pour nous aider en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à la profession et depuis le début, même Ronald en parlait depuis 2007. Je savais pas, mais oui, il était déjà impliqué dans la profession. Il voulait déjà la sauver à cette époque-là. Et donc voilà. Il continue, il perpétue ce qu'il a toujours voulu faire. C'est pour ça que moi, je lui fais entièrement confiance au niveau du travail. Je me lance dans tous ses projets parce que j'y crois. Et je pense vraiment que je suis très optimiste aussi sur le futur de l'ostéopathie si on continue à travailler avec ce genre de personnes. Que ce soit Raphaël ou quelqu'un d'autre, parce qu'il ne pourra pas évidemment porter la charge mentale et physique de tout ça, toute sa carrière. Mais par contre, je pense qu'il ouvre une voie dans laquelle il faut s'engouffrer, il faut qu'il y ait des personnes qui continuent ce qu'il fait, et que ce soit nous ou d'autres personnes, ces personnes qui nous écoutent peut-être. C'est vraiment, je pense qu'il lance un appel à la profession régulièrement avoir de l'aide. Tout seul, on peut pas faire grand-chose. Non, on est intelligent à plusieurs. Bravo, merci, merci beaucoup. Bravo, Raphaël. Oui, et je dirais que, enfin, moi, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est que il y a sûrement beaucoup de relations à retrouver avec les ostéopathes, mais au niveau de la formation aussi, si seulement il y avait une intégration de l'anthropologie médicale, peut-être qu'on pourrait avancer plus rapidement. Parce que tout ça se passe au niveau de la formation. Non?
Ah, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Pardon, j'avais coupé, pour laisser la parole à d'autres personnes s'il y avait besoin, mais je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Le système éducatif, comme je l'ai connu au Royaume-Uni, ne répond, et peut-être le système universitaire français, il est comme ça, pareil, il ne parle qu'une seule langue. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix, même si, évidemment, il y a plein de choses qui se passent dans nos cabinets, dans nos mains, qu'on n'arrive pas à expliquer. Aujourd'hui, la langue universelle, c'est l'anglais. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est la lecture scientifique. Pareil, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et du coup, c'est ça qui permettra peut-être de passer un message global pour aider la profession à mieux se décrire, à mieux prendre en charge les patients, à mieux former. À s'assumer. À s'assumer. Et donc, je trouve qu'il faut creuser là-dedans dans ce qu'on appelle l'evidence-based medicine aujourd'hui, l'evidence-based practice, qui sont des modèles qui, pour moi, sont plutôt bénéfiques et permettent de structurer la profession dans un cadre déontologique, universitaire, éthique. Commun, éthique, et donc positif. Voilà. Bravo à vous quatre. Merci. J'ai appris beaucoup de choses de vous et c'est passionnant. Merci infiniment. On va se quitter, Nico. Vous avez quelque chose à ajouter ou on peut se quitter maintenant? Je voulais faire une conclusion éventuellement. Oui, vas-y. Non, mais je pensais que tu voulais conclure. La conclusion, c'était plutôt par rapport à la formation. D'accord. C'était celle-là, ma conclusion. Parce que, oui, une fois qu'on est ostéopathe, on va peut-être suivre un mouvement, mais la graine, il faut la semer très tôt, quoi, pour moi. Bah écoutez, moi, je vous remercie tous, en tout cas, pour cet échange. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Allez, merci Raphaël. Merci Ronald. Au revoir, Ronald. Merci au revoir, à tous. Damien. Au revoir, Raphaël. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed your chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it and see you soon.